So now I'd like to welcome Jean-Louis Gergorin. Jean-Louis was supposed to be with us today, but he had some issues. So Jean-Louis will talk about the confrontation in digital space, the modern alternative to war to pursue politics by other means. In other words, how the new war now is digital rather than physical. So Jean-Louis, the floor is yours. Bonjour, je suis très heureux et honoré de participer à cette conférence de la World Policy Conference d'Abu Dhabi sur ce sujet clé qu'est l'avenir du numérique après la pandémie. Clausewitz a dit que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens. Par politique, il entendait dire toutes les actions humaines visant à assurer un contrôle ou une influence sur des populations et ou sur des territoires. Eh bien, l'utilisation offensive de l'espace numérique est une forme moderne, alternative à la guerre, de poursuivre la politique par d'autres moyens. Cette nouvelle méthode, cet nouvel outil d'influence, de contrôle politique, s'exerce par deux principaux modes d'utilisation de l'espace numérique qui ont d'ailleurs une intersection non négligeable. Le premier, c'est le hacking, l'intrusion informatique à des fins d'influence et de contrôle par sabotage, par intimidation qui est en fait un sabotage virtuel par introduction de maliciels, de malware activable au moment que l'agresseur choisira et qui vise donc à intimider ou à préparer des actions futures. Et évidemment, d'espionnage, qui est une activité tout à fait majeure qui a conduit à d'énormes transferts de technologies vis-à-vis de certaines puissances qui y sont devenues dans les 20 dernières années, qui ont pu rattraper et même dépasser ceux qu'ils imitent. Et puis, enfin, de prédation, c'est une activité criminelle, notamment, ça s'est beaucoup développé depuis quelques années, par le ransomware, c'est-à-dire le blocage de systèmes informatiques, ou accompagné ou non de la diffusion d'informations confidentielles saisies à cette occasion, pour obtenir une rançon importante qui est versée à des groupes cybercriminels qui sont souvent très organisés et abrités dans des pays où ils opèrent en toute légalité, car ces pays n'ont pas signé la convention de Budapest contre le cybercrime, et ces groupes de ransomware, dont les noms sont connus, des Revil, des DarkSide, etc., n'agissent jamais contre les pays qui les abritent ou contre des pays alliés. Donc voilà un peu le paysage du hacking. Maintenant, la deuxième mode d'action, c'est la manipulation de l'information numérique sur Internet essentiellement, et notamment des réseaux sociaux qui, comme chacun sait, touchent des milliards d'humains et donc par conséquent ont un impact absolument dévastateur lorsqu'ils sont utilisés pour propager des fausses nouvelles. Ces deux modes d'action peuvent se mélanger de façon assez aisée, comme ça a été démontré par le hacking qu'a subi l'Agence européenne du médicament en décembre 2020 et qui a donné lieu à un vol d'informations sur toutes les correspondances internes des responsables de l'Agence européenne du médicament évaluant le vaccin Pfizer, et qui ensuite a donné lieu à une diffusion d'informations manipulées sur des forums de hackers, sur les réseaux sociaux, où certains des échanges étaient manipulés pour donner l'impression que les effets secondaires du Pfizer étaient beaucoup plus graves et beaucoup plus pernicieux que ce qui était apparu dans les évaluations authentiques. Ceci à des fins qui ne sont pas négligeables, de déstabiliser ce vaccin et donc de contribuer à des campagnes qui se sont beaucoup développées d'ailleurs sur Internet ensuite contre le vaccin avec beaucoup de fake news, voire de théories complotistes. Donc ceci, ce n'est pas sans conséquence puisqu'il y a littéralement des vies humaines qui sont en danger à partir du moment où il y a ces campagnes de fake news contre la vaccination.
face à cette situation, face à ce mode d'action qui se développe de plus en plus, et pas simplement par les grandes puissances, qui ont des états-majors intégrés, qui pratiquent à la fois le hacking et la manipulation de l'information numérique, face à cela, il convient de réagir. Comment assurer la paix, la stabilité, la sécurité dans cet espace numérique qui est ainsi, en quelque sorte, déformé par cette utilisation offensive? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. En ce qui concerne les réseaux sociaux, il n'y a pas d'action internationale possible, à mon sens, mais en revanche, il y a une régulation des réseaux sociaux qui appartient aux États, notamment à ceux qui en ont la tutelle directe, je pense aux États-Unis, ou qui appartient aux réseaux sociaux eux-mêmes d'opérer par une autodiscipline pour lutter contre les fake news. Et puis, deuxièmement, il est essentiel que sur l'autre aspect, c'est-à-dire le hacking, qui peut donner lieu à des escalades, qui peuvent devenir un jour hors de contrôle, des sortes de pandémies numériques, il faut arrêter cette escalade. Mais pour arrêter cette escalade, je ne crois pas que les discussions purement limitées au numérique suffisent. En un sens, le sommet Biden-Poutine du 16 juin à Genève a été très intéressant. Il a marqué un certain apaisement des tensions russo-américaines en général. Plus de 50% des discussions ont été consacrées au problème du cyber à la suite d'une attaque de ransomware contre Colonial Pipeline aux États-Unis. Et il y a une certaine forme de modération qui s'est en suivi avec de la part des groupes de ransomware abrités en Russie qui n'ont plus effectué de grandes attaques dévastatrices du type de celle de Colonial Pipeline à partir donc de l'été après une autre attaque qui a été bloquée, Kaseya, au mois de juillet 2021. Donc il y a ce qu'il faut, c'est intégrer la discussion du sous-jacent géopolitique des conflits et les discussions sur la modération, la limitation de l'utilisation offensive du cyberespace. Et il convient d'avoir un forum pour cela. Et je pense que le forum le plus légitime est celui du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président Macron avait lancé l'idée d'un sommet des membres du Conseil de sécurité qui n'a pas encore abouti. Elle pourrait être reprise en se focalisant sur ce sujet central de la paix, de la sécurisation du cyberespace. Et pour cela, évidemment que les chefs d'État ouvrent la voie à des conversations entre leurs experts numériques, mais en même temps, que parallèlement à ces discussions sur l'espace numérique, il y ait une discussion du sous-jacent stratégique, géopolitique, stratégique, c'est-à-dire des conflits. C'est-à-dire qu'il n'y aura de stabilité dans la relation cyber, si on peut dire, entre la Russie et les États-Unis et la Russie et les pays d'Europe occidentale que si le sous-jacent géopolitique, qui est le package constitué par le conflit ukrainien et par les sanctions qui ont été décidées contre la Russie dans la foulée de ce conflit ukrainien, si ce sujet n'est pas abordé, on n'arrivera pas à établir une forme de détente, de stabilité dans le cyberespace entre la Russie et les pays occidentaux. Le modèle, c'est ce que Nixon et Kissinger ont fait avec Brejnev et Gromyko en mai 72, où ils ont à la fois, lors de la visite de Nixon à Moscou, traité du sous-jacent géopolitique de leur opposition, globalement, et ensuite, évidemment, ils ont abouti à l'accord SALT I de limitation, premier accord de limitation des armements stratégiques. C'est le modèle qu'on doit poursuivre dans le cyberespace, on n'y arrivera pas autrement, mais c'est une voie qui, je pense, peut être prometteuse. Traitons simultanément, de façon intégrée, le sous-jacent géopolitique des tensions entre un certain nombre de pays, notamment la Russie et la Chine d'une part, et les pays occidentaux d'autre part, et les manifestations dans l'espace numérique de ces conflits. Je crois que c'est une voie prometteuse, et en tout cas, je plaide ardemment pour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour votre intervention, et puis désolé de ne pas vous avoir avec nous.